Say C. Ok, c'est où les... Ah non, 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 pas les... Ok. Salut Mouvda. Excuse-moi, je suis en train de setter le live. Alright. Il est midi ici, midi et demi à peu près. Donc, hey, salut The Coon. Ah, ben tiens, présentement en pause dîner du cégep. À qui est-ce que je parle, The Coon? Est-ce qu'on se connaît? Je sais pas si tu es un de mes étudiants. Salut Matt. Salut Cédric. Donc, moi aussi, je suis en pause. J'avais un cours ce matin. Ok, Lauriane a vu le filtre. J'essaie de passer inaperçu. Ce que je viens de voir, c'est que TikTok, quand je parle de live, le bouton améliorer, ça fait un effet d'abord, ça propose un effet un peu weird. Puis après ça, j'ai les affaires comme d'habitude, comme pour faire. Moi, je veux toujours inverser la vidéo pour que vous puissiez lire l'heure sur l'horloge. Salut, Mou des Cafés. Salut, OK Google. Mais là, je me suis fait pogner avec le filtre de raton laveur. Salut, Snoro. Salut, Snoro. Donc, content de voir mes abonnés de live. Je fais un petit refri vite, vite. Parce que j'ai du riz qui reste dans un beau gros Tupperware. Et oui, je ne vends pas de Tupperware par contre. C'est un riz qui date de hier. En tout cas, on va le. Tiens, je vais le casser un peu. Meilleur outil pour casser du riz. En séparer du riz un peu avant de mettre ça dans le. À faire frire le riz. C'est ça. Oh, attends. Hey, Spider-Man Montréal! Salut, salut, ça va bien? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Donc là, je suis en train de casser les mâtons parce que en réalité, on veut que ce soit bien granulé. On va essayer de séparer les grains de riz. Puis tu sais, quand on met ça au frigo, mais ça pogne tout ensemble. T'sais. Donc, oui, je fais des fois des sushis maison. C'est plutôt rare parce que tu sais, j'ai pas toujours les ingrédients. Puis c'est difficile d'avoir le poisson vraiment réellement frais. Et il faut avoir confiance au poisson, tu sais, donc au poisson cru. Donc, c'est ça, j'en fais très rarement. Du riz armé, ouais, c'est ça. Alors, on va le battre, on va le séparer comme il faut, vous voyez. C'est tant qu'à faire, je me dis, je peux le faire avant de le mettre dans le wok, tu sais. Ça, c'est une technique. Je le suggère toujours de faire ça avant de partir vos affaires. Hein? On sépare les grains de riz le plus possible. Puis avec la fourchette, ça se fait quand même bien. Salut Maxime! Alors, voilà. Petit lunch rapide. Là, j'ai donc préparé du riz. Qu'est-ce qu'on met dans du riz frit? C'est pas compliqué. C'est vraiment, on met. C'est un peu tout ce qui, mais il y a quand même des choses. Merci Mouvda, à plus. Oui, en fait, c'est mieux que le riz soit ait été réfrigéré. Comme ça, il est plus rigide. Donc, quand on va le faire sauter dans le wok, il va moins avoir tendance à s'écraser et à coller. Et vous voyez, c'est plus facile à séparer en grains. Comme ça, je suis pas en train de les. Quand je les aplatis un peu comme ça sépare les grains au lieu de faire des mottons. T'sais, donc, vous voyez, là, c'est déjà mieux séparé que tantôt. Salut Shotgun, c'est du riz concassé. Vous pouvez utiliser du riz à grains longs, du riz Patna. Ou du riz Carl Rose, du riz médium, peu importe, du riz de la veille, c'est toujours ça qui est le mieux. Donc Maxime, on se fait du riz frit ce midi. Ketsuki, ouais, ça va très bien, merci. Donc, j'essaie de faire ça. Bonjour, l'échoppe de pêche. Ça, c'est ma femme qui est en train de joindre le live. Donc, Amélie est avec nous, je pense. En tout cas, il me semble que je l'ai vu passer. Salut, Yo. Hey, salut, Azahal. Azahal, qui je crois Nicolas. Donc, c'est ça, je dévoile les identités de tous mes abonnés, moi. C'est comme ça que ça fait toujours un peu. Ça donne des frissons à ma femme quand je fais ça. Mais. Ah, la mandoline Resto Viet à Terrebonne. Cool, les gars, c'est cool. Donc, alors, je vais mettre juste des légumes congelés comme ça. D'ailleurs, je pense que je vais tout de suite mettre ça au micro-ondes. Yes, micro-ondes power. Hein, on va couvrir ça. Il y a déjà comme de la glace dedans, donc ça va agir en tant que
de l'eau, comme si je mettais de l'eau pour cuire les légumes à la vapeur. Mike, non, mais ce soir, je vais faire un live pour la boutique. Je ne sais pas encore si je vais aller au bord de l'eau. Tout dépend du vent. Parce que là, je suis sorti tantôt. C'était quand même assez venteux. Donc, on va voir. Donc, Lily, il ne faut jamais regretter. Donc, je mets ça au micro-ondes. Mon micro-ondes est comme caché dans une armoire. C'est un design. Ben, c'est moi qui l'ai designé, mais c'est un design minimaliste. Donc, je vais mettre ça, commencer avec un 2 minutes et demie. Et ensuite, on laisse reposer. Tu sais, on fait cuire ça. Et puis là, ben, on laisse le couvercle, puis on laisse reposer. Ça continue à cuire un peu à la vapeur. Et puis là, ben, j'ai le riz. Donc, j'ai les légumes. Je vais mettre à la fin des oignons verts. Alright, que des restants de je sais pas quand, de hier, là. Donc, ma blonde est au travail, mais elle se connecte. Moi, je l'ai vu se connecter, il me semble que j'ai vu Amélie se connecter. Là, ici, j'ai 2 œufs battus. Okay? Donc, on va faire comme. On va mettre des œufs. Okay? Et puis, ce que j'aime, on est 142, je vais vous dire tantôt des petits ingrédients secrets que je vais mettre dans mes œufs, qui donne une petite touche de plus. All right? Oh yeah, yo qui va essayer ma recette de General Tao, je vous jure que vous allez capoter. Je travaille dans quoi? Moi, je travaille en informatique. Et puis, j'enseigne l'informatique au cégep. Alors, là, j'amène. Ah oui, puis là, je vais avoir des saucisses chinoises, OK? Que j'ai fait bouillir préalablement. Donc, ça, c'est des. Pourquoi je les fais bouillir? Ça enlève l'excédent de gras qu'il y a dans la saucisse. Vu que c'est pas des saucisses qu'on mange comme, mettons, quand tu sais, on a des vraies saucisses là qu'on mange à part là, puis elles sont mises en valeur, on va pas enlever le gras. Mais dans ce cas-ci, ça va dans le refri. C'est pas ça qui est mis en valeur. C'est comme un à côté. On veut le goût sucré-salé de la saucisse chinoise, mais pas le gras de plus. Donc, on fait bouillir, on s'enlève une partie du gras, on fait y goûter. Là, c'est en train de refroidir un peu. Et je vais couper ça en petits morceaux. Okay? Donc là, en attendant, je prépare aussi de l'ail. All right? Et des échalotes françaises. Vous pouvez prendre des oignons, mais moi, en tant que Vietnamien, vous savez, les Vietnamiens utilisent beaucoup les échalotes françaises au lieu des oignons. Pourquoi? C'est parce que les échalotes françaises sont plus sèches que les oignons. Donc, si vous comparez, mettons, un oignon jaune avec une échalote française, c'est que quand vous allez faire sauter l'oignon, ça va tout devenir mushy, comme on dit en anglais. Salut, Shubby. Je sais pas comment je dirais en français, mushy. Tout bizarre. Oh, j'ai quasiment échappé un morceau d'ail. Voilà. Mes légumes sont. La première passe est faite. Donc, ce que je fais, je laisse reposer. Et puis, ensuite, ben, je vais remuer les légumes congelés, puis je remets un autre 2 minutes. C'est aussi simple que ça. Donc là, je vais hacher de l'ail. Okay, on va mettre un peu d'ail. Et là, je vais mettre un peu d'échalote française. Ça va faire un peu de goût d'oignon. Et les oignons verts, toujours à la fin, parce qu'on veut que ça reste, que ce soit pas trop flétri. Okay? Si on les met au début, ça devient tout burk. Alright? Donc, c'est juste à la fin. Donc, c'est l'oignon, l'échalote française qu'on va mettre avec l'ail pour infuser le goût dans l'huile, alright? Et c'est ça que dans ça qu'on va faire frire le riz et ça va donner le goût au riz. Alright? Oui, je fais de la pêche tout à fait. C'est juste que tu sais, c'est la saison a terminé. Je fais pas beaucoup de pêche d'hiver. Alors souvent, ben c'est comme un break pour moi entre décembre et mai. Je suis pas mal low-key en pêche, mais je reprends de plus belle. D'habitude en mai. Mais c'est sûr que là, on est en avril et je vais faire quelques tests. Et d'ailleurs, je fais un live ce soir. Et peut-être que je vais sortir une canne avec un setup à barbu de rivière. On va voir s'il y a de la barbu derrière chez nous. Ce serait trop drôle de ramener une grosse barbu de rivière. Ce serait vraiment, vraiment, vraiment drôle. Donc, mais on va voir, ça dépend du vent. Hein? Donc. Quelque chose de vite fait qui prend pas 8 ans. Oui, ben
Sauf que j'ai tendance à toujours faire des choses qui prennent du temps. Ça me dérange pas quand ça prend du temps, c'est ça l'affaire. Soit que j'ai pas de notion de temps, soit que c'est juste que ben, j'apprécie ça, puis je suis pas vraiment. Je suis pas pressé, tu sais. Parce que j'aime ça quand c'est vraiment bon, tu sais. Ah, chef Touski, si je pêche la barbue, tu vas voir que je vais pêcher sans ver de terre. Je vais pêcher avec des produits Gulp, Gulp Alive. Donc, c'est ça. C'est ce que je vais faire. Un truc pour pêcher l'esturgeon, de la patience. À quelle heure le live de ce soir? C'est à 19h. Oui, Chef Touski, même que tu peux mettre des morceaux de Gulp Alive, si tu as des vieux leurres Gulp Alive qui sont toutes défaites. Et puis, hey, salut tout le monde qui est en France. Oui, il y a un peu de neige dehors qui reste, mais pas beaucoup. Donc, oui, Jimmy, je fais attention à mes doigts. Tu vois que je regarde vraiment très attentivement où est-ce que je coupe. Mais tu sais, c'est parce que je positionne mes doigts proche du couteau, donc tu sais, je sais exactement où est-ce que c'est. Yes, quelqu'un de la planète Mars, Igor. Donc, ça ici. Donc, on peut pêcher la barbue avec des leurres soupe odorants. Alright? Donc, les Gulp Alive sont excellents pour ça. Je sais pas combien j'en ai pogné, mais quand je suis dans un spot de barbu avec des Gulp Alive, ça mord en maudit. T'sais. Oui, en fait, c'est comme un genre de montage à l'esturgeon, mais je vais vous le montrer ce soir dans le live de 19h sur l'échoppe de pêche. C'est plus petit, évidemment, tu sais. J'ai du fil plus mince, un hameçon circle hook pareil, mais il y a un plomb coulissant, même affaire, mais pas le même type de plomb coulissant et pas la même grosseur d'hameçon. Alright? Merci énormément, c'est ça, de partager le live. Merci pour les likes, merci pour les nouveaux abonnés, les nouveaux followers. Très, très, très apprécié. Donc là, je vais juste finir de hacher. Partager le live, on veut arriver à 60 000 abonnés. All right? Aujourd'hui, je veux arriver à 60 000 abonnés, c'est mon objectif. Avec quoi tu laves la planche à couper? Je lave ça, ben, je l'amène sous l'eau. Je lave ça à la main, dans le lavabo, tout simplement, avec une éponge, puis that's it. Bon, ça, l'oignon est fait, on met ça de côté, puis c'est de l'échalote française, en fait. Vous voyez que c'est plus sec, hein? Vous voyez que j'ai haché ça, puis il n'y a pas tant de liquide dedans. Hey, salut Sonny! Donc, là, c'est ça l'avantage des échalotes françaises. Ouh, mes yeux sont rendus sensibles. Là, on va écraser l'ail. Et puis là, on va hacher l'ail aussi. Alright. Et on va tout faire sauter ça. Alright. Bon, on va avoir presque tous les ingrédients de découper. Donc, je mets ça de côté. Okay? Donc, ce que j'aime des grands couteaux, c'est que ça permet de ramasser les choses aussi facilement. Et là, il me reste les saucisses. Les saucisses. Même live avec mon spaghette. Ouais, Snoro. Mais c'est pas la même. C'est pas la même recette, là. On fait un refry. Oui, ça coupe bien. Mais je suis quand même dû pour aller chez l'aiguiseur. Je vais peut-être y aller tantôt, je sais pas. J'aime ça quand c'est très, très, très aiguisé. Donc, bon. Ah, Igor, tu pourrais mettre ton doigt là, puis tu pourrais me faire confiance que je te couperais pas ton doigt. Bon. Ok. Vous voyez, ça pourrait être plus aiguisé que ça. Bon, vous voyez, c'est encore assez huileux. Je vais juste éponger ça sur mes essuie-tout. Right. Et puis. J'aime pas quand il y a trop de gras venant des saucisses.
Oui, Antoine, c'est sûr que j'ai une pierre à aiguiser aussi. Mais je me fais pas confiance avec ça, c'est bizarre, hein? J'ai une pierre, Igor. Merci pour vos suggestions, j'ai tout ça en fait. Mais j'aime mieux, honnêtement, il y a des choses dans la vie que j'aime faire par des experts. Tu sais, il y a des choses qu'on est capable de se débrouiller, faire les choses à peu près correctes. Mais il y a des choses que j'aime que ce soit vraiment fait parfaitement. Et ça, l'aiguisage de mes couteaux, j'aime ça faire ça par quelqu'un. C'est juste une préférence personnelle. C'est comme, par exemple, mettons, si j'avais à faire aiguiser mon couteau à fileter, ben, je le ferais faire aussi. Il y a toujours un risque de mal affûter ton couteau. Ben non, je me souviens pas ce que tu as écrit, donc il va falloir que tu réécrives si tu veux que je te réponde. Oui, c'est vrai ça, MGS. Hey, salut Dave! Il y a quelqu'un sur Twitch qui allait écouter une de mes vidéos, puis il m'a vu en live, donc il a switché dans mes lives. Merci, c'est très apprécié. Ok, donc là, j'ai des morceaux, puis là, ce que je vais faire, je vais couper ça encore plus petit. J'aime ça que les morceaux soient petits. Oui, c'est du lapsung, absolument. On aime-tu ça du lapsung, Snorro, hein? Ah, tout ce qui, alors, mais si c'est pour aller trouver une canne, ça vaut la peine. Il y a une alarme de feu? Ah, tu pensais que c'était l'alarme de feu, c'était le son du micro-ondes, ouais. Là, le micro-ondes, il chiale parce que j'ai pas rien fait. J'ai pas ouvert la porte depuis que c'est cuit. Mais c'est correct. Hey, salut Jason! Donc, Chef Touski qui s'en va chercher une nouvelle canne à pêche, le chanceux. Mais, tu sais, Chef Touski, j'en ai des cannes à pêche, hein? Je vais le faire sentir mal. Hey, salut Marie-Hélène, qui dit qu'elle s'en vient dans 2 minutes. Elle dévoile où est-ce qu'on est. Là, je vais. Hey, salut Nat. Merci beaucoup. Je suis contente que tu me dises que je suis une bonne influence pour les jeunes. Ça me fait chaud au cœur, honnêtement. Oui, ben Antoine, ça s'en vient. J'en ai fait beaucoup l'été dernier. Et puis, ben, c'est l'idée de faire les lives de pêche. Ben, je recommence ça dès le mois de mai. Okay? Donc, il y en aura beaucoup. Ah oui, Lauriane, c'est vrai, c'est la blonde de Chef Touski. J'avais complètement oublié. Salut Boomerang. Bon, Sonny qui. Hey, ça c'est paresseux qui dit qu'il veut venir arriver juste quand c'est prêt. Oh my god. Dave. Ah, ok, c'est toi, Dave Larose de Salut Seva, ouais. Ouais, mais c'est une bonne idée, Dave. Et puis c'est pour ça les vidéos, des fois, il faut comme mettre sur pause, puis réécouter, parce que des fois, je vais vite dans les. Ouais, c'est ça, Marie-Hélène. Là, je vais me prendre juste un bol. Un petit bol pour mettre à mesure la saucisse. Right. Ça là, c'est la saucisse chinoise, c'est tellement bon. Ah oui, c'est ça, il repart. Il arrive quand c'est prêt, il repart avant les vaisselles. Sonny. Mais c'est vrai que ça, c'est l'avantage de ceux qui sont abonnés au live. Oui, fried rice vietnamien. Vietnamese fried rice avec un peu de sauce poisson. C'est ça la différence. Et évidemment, la saucisse chinoise. Qui est comme un incontournable. Là. Ça, c'est drôle. Hein. Quand j'ai pas de saucisse chinoise, là, je fais juste pas de riz frit. Oublie ça. Oublie ça. J'ai manqué l'affaire de lancer lourd, mais j'ai comme cru voir que Chef Touski avait s'était créé un besoin de canne à pêche. C'est comme ça au printemps. Hein. J'ai plein de monde qui viennent acheter des cannes à pêche.
Ils en ont à peu près 20 dans leur sous-sol. Je me plains pas là, parce que je leur vends quand même les cannes à pêche, mais je vois que comme au printemps, il y a un besoin de se renouveler. Est-ce que je fais seulement du vietnamien ou tu fais aussi des recettes asiatiques? Antoine, si tu regardes mes vidéos de mon compte, tu vas voir que je fais non seulement des recettes chinoises ou thaïes, je fais aussi des recettes qu'on pourrait dire fusion. T'sais. C'est beaucoup Amélie, ma blonde, qui me donne des idées de recettes et je les fais. Puis des fois, on argumente pas mal parce que des fois, je préfère faire des recettes authentiques, mais ça fait en sorte qu'il y a quand même des recettes qui sont très très bonnes parce que elle a connaissance d'autres goûts aussi. Donc, ça fait comme par exemple la recette de poutine à la Viette. Là, qu'est-ce qu'on a fait dernièrement? Le Vov Roll avec du smoked meat, là. Alors, honnêtement, c'est très bon, hein, en passant. Le rouleau avec le smoked meat, là, c'est vraiment bon. Bon, donc ça, c'est fait. Donc, je fais du riz frit à la Viette. Donc, j'ai tout ce qu'il faut. On vole des petits morceaux de saucisse. Ça fait 8 fois que Chef Touski se renouvelle en 3 printemps. C'est comme un papillon. Le egg roll in a bowl, je sais pas encore. Je sais pas encore. C'est parce que ça me déchire un peu, tu sais. Moi, j'aime ça. Tu sais, mettons que je fais des dumplings, ok? La farce de dumplings, c'est bon. Mais quand tu l'enlèves du dumpling, c'est comme sans la pâte, on dirait qu'il manque quelque chose, tu sais. Il va falloir que. C'est comme too much de farce. Il manque un équilibre. Je ne dis pas que je suis quelqu'un d'équilibré dans la vie, mais j'aime quand les goûts sont équilibrés. Là, je vais juste faire un control freak de nettoyage. On va mettre ça avec les déchets ici. Bon. Qu'est-ce qui me manque? Il me manque de remuer un peu les légumes. Hein? Ça, c'était les légumes congelés que j'ai mis au micro-ondes. Et puis là, ben, je vais remuer ça. Dave, dis-moi donc la recette que tu voulais réécouter. Je suis curieux de savoir c'est laquelle que tu voulais faire. Donc, si jamais je peux t'aider en même temps dans ce live. Donc, j'aurais peut-être pu faire un peu plus de légumes. C'est pas grave. On met ça. Un autre 2 minutes et demie. Voilà. Donc, pendant ce temps-là, je prépare le poêle au butane qui fait peur à tout le monde. Alright. Avec des chips de pâte à egg roll cuits dans l'huile de pinot, ça passerait bien. Oui, ça se peut bien. Un painan en accompagnement. Oui, c'est vrai, je pourrais bien faire ça. On va tester ça, puis on va voir. Donc, un peu de sucre brun. Là, s'il y en a qui me demandent pourquoi je prends pas du sirop d'érable, c'est parce que vu que c'est du riz frit, si je mets du sirop d'érable dedans pour faire le côté un peu sucré, ça va devenir trop mouillé. C'est un liquide. Donc, dans des cas comme ça, même que c'est même encore plus facile avec du sucre blanc granulé, parce qu'il va avoir, ça va être plus difficile. Il va moins avoir tendance à se caraméliser. Mais là, je vais quand même utiliser du sucre brun. C'est un entre-deux. On va voir ce que ça donne. Mais d'habitude, ça devrait être bien. Ah, ok, tu vas faire les spring rolls, les rouleaux de printemps. Alright, c'est cool. Bon. On va mettre. Ok, juste m'assurer que j'ai tout. Ok. Papy.com, on est au Canada, au Québec. Et la ville, c'est Saint-Ours. Saint-Ours Power. Salut Tootsie!
Donc, je mets de l'huile. On commence avec l'ail. Pendant ce temps-là, je vais me prendre une paire de baguettes. On baisse un petit peu. Si vous avez faim, c'est pas de ma faute, c'est que vous avez pas assez mangé avant de regarder le live. Ok, alors l'ail est prêt là. Ok, le ballon est tout super, mais je vais mettre ça comme ça. Voilà, on met les échalotes françaises. On ajoute un peu d'huile. On mélange. Hein? Bien sûr. Oh, ça sent bon ça. Oui, on n'est pas loin de Sainte-Victoire. Oui, Saint-Ours. Saint-Ours. Yes, c'est bon ça, Dave, d'écrire comme il faut les étapes et les ingrédients. Bon, là, ça va être. C'est quoi? On va mettre tout de suite le riz. OK? Combien pour un bon wok? À peu près 20 piastres. C'est juste, il suffit de prendre un wok en acier carbone qu'on appelle. Bon, là on va y aller avec cette batch-ci. Je ne sais pas si j'en ai trop. Il ne faut pas en mettre trop pour un wok, hein. Il ne faut pas overload le wok. On ajoute de l'huile encore. Yeah, parce que c'est quand même un riz frit, hein. Ok, mon amour qui me regardait en live, les shots de pêche. Amélie était là, elle va retourner travailler. Marie-Hélène, j'ai pas encore sorti ma chaloupe parce que tu sais, vu que les espèces que j'aime pêcher sont encore fermées, j'attends un peu puis je fais ma maintenance quand il y a plus de nuits qui sont en dessous de zéro. Oui, j'assaisonne mon wok moi-même, Laurie. Donc, je l'achète non assaisonné, puis non. Et puis là, ben, je le fais moi-même. Puis là, je vais prendre aussi une cuillère en bois. Et. Ouh, c'est chaud, hein? Ça. Légumes congelés. Je vais juste enlever un peu l'excédent d'eau. Celle-ci. Voilà. Yeah. On laisse brûler le riz un peu hein, au fond, mais il brûle pas tant. Hein. Ah, ben Raphaël qui habite à côté de l'église. Y a-t-il des étapes? Oui, pour l'entretien, c'est exactement comme une poêle en fonte. Hey, salut, Guillaume, Souci et Junk qui étaient sur TikTok. Oui, je fais les lives sur Twitch et YouTube aussi. Des fois, sur Twitch et YouTube, je vais faire d'autres sujets que juste la bouffe. Et la pêche, comme par exemple, des fois je fais des lives de musique, des fois je fais des lives. Est-ce que t'as déjà fait une vidéo où tu montres comment l'assaisonner? Non, mais j'ai fait comme un genre de live à un moment donné. Mais il faudrait que je fasse une vidéo. Mais il y en a plein de vidéos sur YouTube. Mais c'est vrai que la plupart sont en anglais. Mais bon. Je joue du piano. Piano classique. Vous voyez que ça colle pas au fond. Hein? Là, je vais juste. Je fais vraiment enlever l'humidité. Bon. Là, ce qu'on va faire, on va tout de suite
faire le les œufs. Donc, ce qu'on fait, on fait un trou au milieu. Ah ah, je suis pas centré. Hein? Bon. C'est bien. Puis là, on va mettre de l'huile. Yes. Et on verse les œufs battus. Ah oui, petit truc. Ajoutez donc dans les œufs battus un petit peu de poivre blanc, pincé de poivre blanc, et puis une goutte d'huile de sésame, ou deux. Voilà, on mélange et on verse. Et voilà. Bon, cuisine quoi aujourd'hui? Deuxième coup le préféré. Sylvain, je suis en train de faire du riz frit. Salut Sidi! Ah, du drum junk! Ah oui, ben oui, ben c'est correct ça, c'est. Je crois que. Tous les styles sont le fun. Oui, ben c'est ça. Les œufs dans le riz, c'est du riz frit vietnamien en passant. Donc, à quoi ça sert d'assaisonner le wok? En fait, ça sert à qu'il soit naturellement anti-adhésif. Right? Donc, vous voyez, ça permet de brouiller les œufs directement comme ça. Comme on fait avec un pad thai. Puis ensuite, on mélange le tout. Ça va faire les morceaux d'œufs qui donnent la texture, hein, des morceaux de texture plus molle, plus tendre dans le riz. Alright. Et ensuite, je vais ajouter tout de suite les saucisses chinoises. Alright. Le riz qui est en train de brûler, ouais, c'est. Ben, il brûle pas tant que ça. Il est comme. Il a l'air de rester blanc, tu sais. Donc, on va mettre les saucisses chinoises. Et on baisse un peu le feu. Ah, la Red Bull, beaucoup meilleure. Oui, tout à fait, tout aussi. Salut Louis. J'essaie de voir tout ce qui est. Donc, en ajoutant la saucisse ici, ça aide aussi à séparer le riz. T'sais, on ajoute graduellement les choses. Donc, vous voyez que le riz est quand même fluffy. OK? Salut, Junko! À la prochaine! Parce que, justement, on veut pas qu'il soit trop sec, tu sais. Un bon riz frit a aussi quand même une texture fluffy, onctueuse. Alright? Le riz tricolore, oui. Ben, je vais prendre toujours le riz à grains longs, tu sais. Ah, papy, je pense pas que tu m'as insulté, je me souviens pas de ça. Vous savez que des fois, si je réponds pas, c'est parce que j'avais les yeux sur autre chose. J'ai pas vu vos questions, vos commentaires. Donc, des fois, il faut essayer de me renvoyer la question. Alright? Donc, ah non, il y a s'il y a du monde qui sont j'ai vu des commentaires passer là, mais en tout cas ça reste pas longtemps. Bon. Ah, vous voyez que déjà c'est en train de se séparer mieux. Et là ben on va ajouter les légumes en essayant de
pas trop de pas justement qu'il n'y ait pas trop de d'eau. Et à la fin, on assaisonne, OK? Et là, ça va dépendre des goûts. Ce qu'il faut ajouter, c'est un peu de sauce poisson et un peu de sel et un peu de sucre. Et c'est là que ça dépend des goûts. Ouais, ben Angelina, j'essaye, là, c'est honnêtement, c'est pas toujours facile. Et de ne pas manquer la recette en même temps, c'est pas évident. Mais j'ai toujours été un peu multitâche, alors ça me pratique à ça. Je dois séparer mon cerveau en genre 4, surtout quand il y a 225 personnes dans le live. Au moins, ça commande pas trop, là, c'est pas si pire. Vous voyez, ça s'en vient bien, là. Bon, là, c'est sûr que c'est... Oh, il y a un morceau de saucisse. Vous voyez, le riz à côté, là, il cuit pas pantoute. Je parie que je pourrais même prendre mes doigts puis aller le chercher, mais je vais pas le faire. OK, donc ça, ça va bien, là. Je sais pas si vous voyez, là, sur YouTube, sur Twitch, le riz frit. Ça va très bien, mon mari. Merci beaucoup de le demander. Hello, Jessica. Brandon. Bien essayé, bien essayé. Parce que moi, je vais manger tout ça, là, voyons donc. Non, c'est pas vrai, mais... Bon, là, là, quand on assaisonne, OK? Premièrement, quand c'est du liquide, OK? Il faut garder le feu quand même assez chaud. Parce qu'on veut que ça évapore vite. All right. Donc, c'est du riz frit à la viette. Donc, c'est un peu... de sauce poisson, d'ailleurs. Oh la, my god, je suis en rupture de stock. Donc, alors, qu'est-ce qu'on fait pour pas en verser trop? Je mets mon pouce par-dessus. Oui, mon pouce va sentir mauvais après. Mais là, regardez, ça me permet de disperser des gouttes ici et là, hein, comme ça. Et de contrôler la quantité. Et c'est comme, voilà. Et puis là, c'est fait. J'essuie mes doigts. Et on mélange rapidement, OK? Parce qu'on veut que ce soit dispersé équitablement. Au début, ça sent bizarre, OK? La sauce poisson, effectivement, slick. Mais quand c'est cuit, ça ne sent plus la même chose. Hey, salut Julien! Donc, la sauce poisson non cuite sent quelque chose. Et quand elle est cuite, c'est autre chose. Brandon, t'aurais mangé tout ça, c'est quand même assez gros, là. Est-ce que je cuisine sur ça tous les jours? Non, c'est juste pour les lives, Angelina. Je cuisine sur ma cuisinière d'habitude. Ça, c'est juste que c'est plus pratique. Vous pouvez voir. Tu sais, c'est proche. Merci pour la casquette. Hey, salut le pêcheur! Ça, les commentaires ont popé d'une shot sur mon téléphone. Oui, j'ai une chaîne YouTube, mais c'est pas là. Les recettes sont sur mon site web. Oui, je pêche, William. Merci, Sylvain, de m'inviter à souper. Hey, pour une fois, c'est quelqu'un qui m'invite à souper et non le contraire. Igor qui dit qu'il mangerait ça en apéritif. Tabarouette. Là, ça veut dire qu'il faudrait pour vous que je fasse comme plein d'autres plats, tu sais. Oui, ben c'est au wok, là, c'est vraiment magique. Regardez, ça colle même pas. C'est juste que là, je fais évaporer un peu parce que j'ai mis de la sauce poisson. Hein? Puis là, le truc, là, du riz frit, là, laissez brûler de temps en temps. T'sais? Ce que ça fait, c'est que la couche en dessous... merci, Julien, de me souhaiter bonne journée en passant. C'est très apprécié. Ben, la couche en dessous va brûler un petit peu. Et ensuite, quand on mélange... Ben, ça fait, ça donne un petit crunchy, un petit goût, en tout cas, c'est vraiment très très bon. Le site, c'est onclevov.com. Hey, salut Jérémy de l'île de la Réunion. Des desserts, j'en cuisine beaucoup moins, parce que je, comme dans les desserts, je mange beaucoup plus. Là, j'ajoute du sel en passant, mais pas trop pour l'instant. On va ajuster après. Et là, je vais ajouter tout de suite du sucre brun aussi. Mais, ouais, c'est très bon, là, un petit peu crunchy en dessous, là, donc je fais exprès, là, vous voyez. C'est pas si fort que ça va brûler noir, là, mais c'est juste que ça va juste donner un petit je ne sais quoi, comme on dirait. J'ajoute un petit peu de sucre brun, et c'est ça qui fait la... Comment dire, caractérise
le riz frit, il va être sucré salé. Pas juste salé. Donc, vous voyez que j'ai pas mis de sauce soya et j'en mets pas du tout, ok? Parce que c'est un riz frit. La couleur, si ça devient un peu plus foncé, un peu plus doré, ce n'est pas à cause d'une sauce, c'est à cause que c'est frit, alright? Donc ça, c'est la recette. Tandis que le riz frit que vous achetez, mettons, au métro, qui est plein de sauce soya foncée, c'est comme un riz frit qui a été inventé ici en Amérique. Et puis ça ne se fait pas vraiment dans les pays asiatiques. Donc le riz frit est vraiment comme ceci. La sauce soya teinte trop le goût en passant. Là, on va continuer à faire brûler un peu du riz. Puis je peux ajouter, tant qu'à faire, un petit peu de poivre. Vous savez que dans l'omelette, j'avais un petit peu de poivre blanc, t'sais. Salut Caro! Un peu de poivre noir, t'sais. Pas trop. Faites voir, il coule pas bien bien, mais ça va être juste assez. Voilà. Alors, bonsoir Caro. Ton riz était cuit de la veille. Oui, exactement, Slick. Salut Sarah! C'est plus facile quand le riz est cuit de la veille. Jamais je fais ça avec du riz fraîchement cuit. C'est comme impossible à gérer. Excusez mon wok qui fait des petits bruits en glissant sur le poêle. Je vais juste le laisser... je le laisse cuire pour vraiment là aussi le redéshydrater un peu. Faire évaporer. Là, il est essentiellement prêt, mais je vais valider. Là, je le fais vraiment comme prendre la texture que je veux. Oui, froid de la veille, froid, exactement. Ça va très bien, Elias. Puis là, ce que je vais faire, je vais goûter. Tu sais, on va voir s'il y a un ajustement. C'est toujours le truc dans ça, là. La différence quand les gens vont dire « Oh, c'est vraiment bon » ou comme « Ah, c'est nice », tu sais. C'est au niveau de l'équilibre de sel et de sucre. Si c'est trop d'un seul goût, on le remarque trop vite, puis on n'apprécie pas les autres goûts, tu sais. Donc, il faut que ce soit parfaitement équilibré. Bon, là, je vais juste amincir un peu mon affaire. Oui, un peu comme le riz cantonais, sauf qu'on met... non, je ne mets pas un couvercle pour un shot de chaleur, pas besoin, parce que je veux juste en dessous. Je veux contrôler, sinon j'ai trop d'humidité qui va rester. Je veux faire évaporer un petit peu, Igor. C'est pour ce soir ou pour les lunchs de ma conjointe. Sauf que c'est ça. Contrairement au riz cantonais, on met un peu de sauce poisson dedans. Oui, bien sûr qu'on peut cuisiner avec un wok sur un vitro-céramique. D'habitude, c'est ça ce que je fais. Oui, ben c'est ça. C'est ce que je viens de mettre, là. Sauce poisson, cassonade et sel. C'est tough de faire du asiatique, mais quand tu l'as, c'est la meilleure chose au monde. Antoine, mais c'est une question de goût, hein, en fait. Un petit résumé, Meg. Oh my god. Non, moi je fais pas de ramadan. Mais bon courage à ceux qui le font, honnêtement. C'est vraiment cool. Si t'as pas la sauce de saucisse, honnêtement, j'aime pas trop mettre des saucisses différentes. Je mettrais juste pas de saucisse, ou mais autre chose comme protéines, tu pourrais mettre ok, les gens ont peur des maïs qui tombent ici. Ah, les gens étaient stressés, je le savais pas. Moi j'étais là comme ah, tu sais, aucun stress, zéro stress. Mais regardez, je sais pas si vous allez pouvoir voir, tu sais, le riz commence à brunir. Donc c'est ça que je veux. Je fais des mini croûtes en dessous de riz pour que j'ai des morceaux un peu croquants. Ah, c'est très très bon. Non, ça brûle pas parce qu'il y a beaucoup, il y avait quand même beaucoup d'humidité dans le riz lui-même. Aussi dans la saucisse qui a été bouillie d'avance. Aussi dans les légumes congelés. Parce que les légumes congelés, il y a de l'eau qui s'accumule. Oui, c'est vrai, tu pourrais mettre du poulet puis de la crevette. Absolument.
Absolument. D'ailleurs, j'aurais pu mettre des morceaux de crevettes, mais je les garde pour mes rouleaux printaniers. Que je vais manger. Je sais pas qu'est-ce que je vais manger ce soir. Soit le riz frit, soit les rouleaux. Est-ce que ça goûte beaucoup la sauce poisson? Non. Non. C'est pour ça que tantôt, je montrais comment la verser avec le pouce sur l'embouchure. Puis quand tu verses, ça te permet de juste verser quelques gouttes à la fois. Donc, c'est ça. Ça donne ce contrôle-là. Ah, là, je commence à avoir des morceaux. Regardez, là. Des morceaux comme ça, là. C'est ça qu'on veut. Oh, yeah. Dans les restaurants, ils prennent pas la peine de faire ça. C'est trop long. Mais moi, j'aime ça. Oh, ouais. Bon, là... Je pourrais mettre un petit peu plus salé, un léger plus salé. Ici, ensuite on mélange. Bon, là j'ai pas besoin des baguettes pour ça. D'habitude, je prends un genre de cuillère en métal, mais ça a l'air que ça fait trop de bruit dans les lives. T'sais. Là, j'ai pris du riz concassé, mais vous pouvez prendre du riz à grains longs. C'est parfait pour ça. Oh, on va baisser un peu le feu. Oh yeah, j'ai des bons morceaux là, un peu légèrement brûlés là. Et ça donne aussi une petite saveur au restant du riz, tu sais. Sinon, ça n'a pas vraiment la saveur de riz frit, tu sais. Donc, la meilleure marque de sauce soya, ben moi, j'utilise la Pearl River Bridge que tous les Asiatiques ont dans leur maison, là. Mais c'est pas la sauce soya de meilleure qualité, mais c'est celle sur laquelle on peut... C'est celle de référence pour le goût, tu sais. Les recettes ont toujours été faites avec cette sauce soya-là. Donc, si je veux avoir le vrai goût, ben, c'est ça. Je prends la Pearl River Bridge. Ben, à la prochaine, Caro. Ben, tant mieux, Mélanie. Donc là, on est en business. À mon avis, ça devrait être assez salé. Ouais. Alright. On peut laisser. Et d'ailleurs, là, en ce moment, je trouve que c'est encore... Ah, oh, mais le riz est vraiment tendre et fluffy, très goûteux. Ah! Dernière shot. Oignon vert. Et voilà. C'est la dernière shot, puis mon feu est très bas en passant. Là, ici, c'est juste pour assécher un peu le restant du riz. Je fais un petit mélange rapido. Bon, ce que j'aime des cuillères en acier, quand je mélange, c'est qu'ils ont des rebords plus coupants. Et puis, ça me permet de séparer les grains de riz mieux, tandis qu'une cuillère va en écraser pas mal. Mais, je prends soin de vos oreilles. Alors, j'ai décidé de ne pas prendre la cuillère en métal. Et vous savez, c'est pour ça que j'utilise un wok comme ça, qui n'a pas d'enduit anti-adhésif. Ça permet d'utiliser des ustensiles en métal. Est-ce qu'on peut acheter en ligne? Je pense que tout le monde va me regarder. En ligne, tu peux acheter... je sais pas qu'est-ce que tu veux acheter en ligne. Mais je sais que sur Amazon, là, les prix de toutes les affaires d'épicerie asiatique, ça coûte beaucoup trop cher. Vous êtes mieux d'aller dans une épicerie asiatique. Ouais, ben, Igor, c'est ce que je fais tout le temps. Surtout pour le riz blanc. Mais pour le riz frit, moins... je sais que j'en vois beaucoup là, des présentations sur internet, même des bols un peu pyramidaux, tu sais. Mais le riz frit, c'est du comfort food, tu sais. Du comfort food, tu sais, c'est comme, comment je pourrais dire, il faut qu'on soit, c'est comme être en jogging, tu sais. Tu sais, tu peux pas être tant confortable dans un suit qui est vraiment parfaitement droit. C'est parce que tu te sens plus limité. T'sais, si tu sers ton riz frit
Ouais, en forme d'étoile ou en forme de pyramide. T'es comme, ah, oh, un peu plus gêné de prendre ta bouchée, tu sais. Un riz frit, c'est du comfort food. Tu mets ça, là, tout croche, tu sais. Un riz blanc qui va accompagner quelque chose qui est à côté. Tu vas faire donc ton assiette comme ça. Là, oui, je te dirais, je le fais souvent, ce genre de truc-là. Les bols à l'envers. Mais un riz frit, c'est très, très rare. Bon, c'est pas mal prêt. Donc voilà, ce que je vais faire, je vais m'en servir un petit peu. Vous pouvez voir l'heure sur l'horloge en passant. Donc c'est ça, mook je prends vraiment un wok en acier carbone. Je vais m'en servir un petit peu. Faut que j'en garde pour Amélie ce soir, quand même. Et pour ses lunchs. Bon. Là, on va juste mettre ça ici. Ça, c'est fermé. Ok, les amis. Un morceau comme ça, là. Comment on mange avec les baguettes? Justement, c'est un peu collant. C'est parfait, ça permet de prendre un morceau. Avez-vous vu le riz qui tient un peu légèrement croûté? Il faut que je mange. Je suis désolé si ça vous donne faim, mais... Ben, en fait, une rose, c'est ça. C'est ça. Oui, c'est écœurant. Le ballon est excellent. Des fois, je le manque, hein, l'équilibre, en passant. Mais là, c'est drôle. On dirait parce que je vous l'ai dit qu'il fallait que ce soit équilibré. Je me suis comme forcé plus pour que ce soit équilibré. Donc, il y a comme un avantage de le faire en live. Oui, c'est un peu chien de faire ça devant vous. Mais. Tu sais, vous regardez des lives de gens qui font des reviews dans les restaurants, donc tu sais, c'est tout autant, comment dire, masochiste. Tu sais, avec la saucisse chinoise, c'est sûr que c'est un incontournable. Le mélange de saveurs, de textures. Très important. Le petit côté brûlé, même les morceaux de maïs donc, que vous avez tellement peur qu'ils tombent. Là. Je ne sais pas si vous pouvez voir dans le détail. Regardez, j'ai des morceaux légèrement brûlés. Vous voyez le maïs? Le grain de maïs avec un peu de brun dessus. Hein, parce qu'il a été un peu grillé. Oh yeah! Ça a l'air que je ressemble à un Algérien, ça c'est quand même drôle. Ouais, vraiment là, c'est une recette quand même facile à faire, je dois vous dire. Ben, je partage pas Joanie parce que Amélie est pas là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, Mike, on se revoit ce soir dans mon live. On dirait que là, le vent s'est calmé, je suis pas sûr. Mais je vais essayer d'être au bord de l'eau ce soir à 19h, t'sais. Lancer une petite ligne. Oh yeah. Ouais. Puis ça se prend bien en plus quand c'est bien fluffy comme ça. C'est pas tout égrené. Donc je suis capable de prendre avec mes baguettes quand même une bonne bouchée, t'sais. Dave, si la température le permet, je vais essayer de lancer une ligne. Non, je ne fais pas de ramadan et miran. Ce n'est pas dans ma religion à moi. Mais je respecte évidemment celle de tout le monde. Donc, la recette, c'est. L'ai-tu mise sur TikTok? Je pense que oui. Donc, j'ai pas de restaurant à Ali, malheureusement.
Donc je crois que je vais arrêter de vous faire souffrir. Brandon qui dit wok de crevette thaï, mon repas de ce soir. Cool, excellent, crevette thaï. Santiago, oui, je suis vietnamien. Nat, non, j'aimerais pas ouvrir un restaurant parce que ce serait trop de travail, honnêtement, et j'ai trop de projets. J'ai pas le temps de faire ça, malheureusement. C'est comme un riz cantonais qui mousse, mais à la Viette, donc un peu de sauce poisson dedans. Et puis, oui, c'est délicieux. Donc, ouais, ben c'est pas grave les commentaires, là. Mais tout le monde, je vais vous dire que vous êtes vraiment une bonne communauté. Oui, sauce Nukmam dedans. Et, oh my god, c'est vraiment. Honnêtement, je l'ai vraiment réussi, là. Est-ce que j'ai déjà essayé avec steak haché, saucisse, c'est bon en tout? Ben, je mets pas de steak haché dedans, non. Je mets, la seule viande que je mets, c'est soit de la crevette ou de la saucisse chinoise. Oui, c'est beau les couleurs, Brandon, c'est vrai. C'est beaucoup pour les couleurs d'ailleurs, la carotte, là, honnêtement. Merci Antoine. Ah, des stocks de pêche pour la truite, oui. User, fais juste voir sur le site de l'échoppe de pêche, il y a le numéro de téléphone et tu m'appelles là. C'est sûr que là, je suis en live, donc je ne pourrai pas répondre, mais dès que j'aurai fini le live, je serai rejoignable. Donc, à tout le monde, je vous dis au revoir, bonsoir ceux pour qui c'est le soir, et bon après-midi pour ceux qui sont au Québec, pas loin de Sorel et de Montréal. Donc, bon après-midi. Et ceux qui suivent mon compte de pêche, l'échoppe de pêche, je vais être en live à 19h. Beaucoup, beaucoup de stock que j'ai mis dans la boutique, mais je vais essayer d'être sur le bord de l'eau. S'il pleut pas, s'il n'y a pas trop de vent, lancer une petite ligne pour la barbue de rivière. Ça va être intéressant de voir si ça mord. Mélanie, bon après-midi. Merci beaucoup. Merci encore à tous ceux qui me suivent. Petit live surprise du mardi après-midi. Alors, bon appétit, ceux qui mangent. À plus. Merci encore. À bientôt. Salut Snoro, salut Tutsi, salut Violon Fou. Là j'appuie sur le bouton là. À plus. Salut tout le monde. Merci ceux qui me suivent sur Twitch, sur YouTube. J'ai pas encore réglé l'histoire de mettre une webcam plus élevée pour que vous voyez mieux les ingrédients, que vous voyez mieux. Les plats, mais ça s'en vient. Ça, c'est. Attendez. Alors, vous pouvez voir ici le riz. Donc, c'est ça. Donc, merci de m'avoir suivi et on se voit bientôt.